Suban Brasta. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Far Cry Primal, chers amis. Donc, on a quelqu'un qui veut nous parler ici, on a l'autre trou du cul là-bas. Mais avant tout ça, j'aimerais voir un truc qui me surprend. Il y a donc bel et bien une hutte ici, c'est bien ce qui me semblait. Et surtout une espèce d'avant-poste là, où ils peuvent gérer en fait qui rentre, littéralement. Ah, c'est pas mal fichu. Bonjour. Cool. Ok, bon. Ah, c'est une serpette, d'accord. Je crois que c'était une espèce de boomerang. Mais oui, si tu veux. Yo. Guar ti chaskaman chlausarsh. Machi winja guamarsh, aguapati pacharsh. Ah, faut y croire, oui. Kauha damshamas, ulash wai shwaida, winja cha ti chaya. Elle a des oreilles. C'est pas un collier de perles, c'est un collier d'oreilles. What the fuck? Oui, si tu le dis. D'accord. Ah, tu veux que je. Ah, oui, je comprends mieux. Tu veux que je construise ta maison. Tu veux que je construise ta maison. Plus de confort. Bon, bah écoute, si tu veux. Ok. Hutte de Saïla, améliorée, récompense. Mission de Saïla, la mission pour Saïla la cueilleuse. Compétence de cueilleur, camouflage olfactif, ignifuge et recette de stimulant de vitesse. Objet gratuit dans votre cache de récompense chaque jour. 1500 XP. Cool. Cool, cool, cool. Excellent, ce qui veut dire qu'en fait, dans K, actuellement, on a débloqué plein de trucs. Effectivement. Par exemple, apprivoiser des félins. Ça pourrait être intéressant. On peut larguer des bombes, donc ça, c'est pas intéressant. D'accord. Ah, chouette attaque. Cool. Alors, attendez. Parce qu'il faut celle-là en premier. Attaque en piqué, tue la plupart des ennemis normaux, peut libérer les ennemis en cache, 80 secondes de récupération. C'est long. Et au village, on a des choses aussi. D'accord. Grotte de Taka, on peut l'améliorer. D'accord, donc faudra améliorer la grotte. Intéressant. Et ici, chez elle, donc on a le bois, la pierre et autres ressources du village apparaissent sur votre mini-carte. D'accord. Chaque chance accrue de trouver plus de bois rare, de pierres et de roseaux rares à chaque récolte. Sans pied. D'accord, ça s'appelle. Les deux peuvent être intéressants là. Trouver plus de portions de menthe en dépassant la plupart des animaux, c'est cool. D'accord, il faut des feuilles rouges pour animer. D'accord, et ici, prospection, trouver plus de bois, de roseaux et de pierres à chaque récolte. D'accord. Donc clairement, on va... Ah oui, c'est vrai. Clairement, je vais mettre un point ici. Et un point là. Pour l'instant, la récolte ne sera pas une... Une, comment... Une priorité, on va dire. Si tant est que, enfin tant qu'on n'aura pas encore de quoi se battre correctement, c'est là qu'est le véritable problème entre guillemets. Alors notre grotte, amélioration rang 1, compétence de survie, amélioration d'arc, amélioration de gourdin, bombe à piquant jetable. Bon bah écoute, on va prendre ça. Il y a même la femme à poil qui est pratiquement à poil qui est fournie avec. Ah par contre il y a la gamine, donc je retire ce que j'ai dit, on évitera d'en parler, merci. Ok, cool. Alors du coup, maintenant, on va la rigoler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en compétence de survie? Plus de points de vie, soins primitifs, guérir ses décors, ou soignant, finalement, jusqu'à 3 au total, d'accord. D'accord, ça peut être intéressant. D'accord. Ok, intéressant. Encore plus intéressant, donc il va nous falloir plein de points, chers amis. Il va nous falloir une quantité incroyable de points. Trouver plus de bois, et ça c'était quoi déjà on a dit? Les ressources apparaissent à l'écran.
L'un ou l'autre, vous me direz. Bon, on va attendre. Est-ce qu'on a des trucs dans, dans les cages de récompense? Oui, on a... Oui, on est déjà plein, d'accord. On n'a rien récupéré depuis la dernière fois. Et il y a ça, je me rappelais... Oui, tu peux pas encore me l'afficher, c'est... Oui, c'est... Enfin, tu me l'affiches, mais je sais pas pourquoi, en fait. Ok, parler à Sayla, c'est la quête. Au niveau de la map, est-ce qu'on a des nouveautés? On a quelques nouveautés. J'ai bien envie de remonter le fleuve et de partir à droite ensuite. Ça pourrait être sympa. Vu qu'on a fait beaucoup d'exploration, tout le reste. Enfin bon, c'est le principe du jeu aussi, hein, encore une fois. On va commencer par un petit peu d'explo, hein, puis on verra bien ensuite. On reviendra prendre la quête. Donc moi, ce sera pour demain. Hein. Ils font de la peinture, rupestre. D'accord, cool. Moi, ce sera pour demain. Hein. C'est-à-dire que là, je vais avoir tourné 4 épisodes dans la journée. Plus, il faut que je tourne encore d'autres choses à air. Donc, hop. Il y a du boulot, comme on dit. Ok. Est-ce que là, t'acceptes que je prenne mon... Non, toujours pas. Il n'est pas encore... Vous quittez la zone de mission. Ah. Bon. Ok, je n'ai pas le choix. Monde ouvert, mes couilles. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein, je dis ça, je m'énerve un petit peu, mais c'est... Ça n'a rien de grave du tout, hein. Du tout, du tout, du tout, du tout. Au contraire. Ok, allons la voir, la demoiselle. Ça est là. C'est Bibi. Cool. Ah bah elle a bien guéri, hein. Non, pas pour moi, garde-le. Non, garde-le. Oh, elle est gentille. Oula. Ah oui, t'es gentil, mais t'es un petit peu fofolle aussi, hein. Oui, bah côté sur moi, je veux les taper, hein, c'est sûr. Mais mon tigre aussi, enfin mon loup va les taper aussi, pardon, mon tigre. Je sais pas pourquoi je pense à un tigre. Oh. Le lendemain. Village Wenja. Winja. Pensez à dire win, parce que c'est win. Les ressources quotidiennes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Essaim d'abeilles, pourquoi pas. De la pierre du sud, pourquoi pas. Argile du Nord. Tant mieux. Combat au corps à corps. Les gourdins sont des armes rapides qui peuvent frapper plusieurs cibles d'un coup. Les sagaies sont des armes lentes et puissantes qui frappent directement devant vous. Lancez-les pour plus d'efficacité. Maintenez pour la chaîne d'une attaque puissante. Étourdis les ennemis et leur inflige des galbés. Si vous êtes équipé d'une arme enflammée, vous la brandirez. Ok. D'accord. Dit-elle à l'oreille. Quoi? Bonjour. Aïe. Et donc, il a une drôle de façon de dire bonjour. Ah non, il vient juste passer un message. Bon bah, j'aime le taper la honte. Et ils ont des doutes, hein. Non, ils ont pas de doutes. Cool. Donc on peut y aller, en fait, on peut se battre, là. Donc alors, attends.
Et ils sont où? Hop là! Hop! Va le bouffer! On peut pas récupérer la sagaie, s'il vous plaît? Est-ce que je peux récupérer ma sagaie, s'il vous plaît? Ma sagaie, s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Bouffe! Ma sagaie, s'il vous plaît. Hop! Quoi? Mais... Ah! Bouffe! Dégage! Ma sagaie! J'ai pas des... Je crois que j'avais un truc d'abeille. Bon, c'est pas grave. Tiens, mange. Pas du bien. Dégage! C'est chez moi, ici. Ici, c'est ma maison. Non! Ah, pas ma bête. On est où? Ok. Ok. Poison. Vous pouvez vous faire empoisonner par les piqûres d'abeilles, les morsures de serpents ou les fumées de mort en bordure des terres Udame. Certains Udame vous lanceront également des bombes poisonnées. Pour le poison vide votre santé, il se dissipe au bout d'un moment et il doit bien y avoir une recette d'antidote quelque part dans ce monde. Touché. Te fais pas trop de mal, mon loulou. Tiens, mange. Je vais niveau force, c'est le Seila, de Seila. J'arrive, mon ami. J'ai plus de sagaie. J'ai plus de bois. Merde, il y en avait ici, il fait chier. Alors, ça y est là? Ah, t'es là. On y va, ma fille. Hey! Compte sur moi. Allons-y. Ils sont juste à côté. On va les faire partir. En fait, j'aurais peut-être dû enflammer tous ces trucs-là. Compte sur moi pour les faire partir. Hop. Une fois qu'on sera à un peu moins de 500 mètres. Allez, viens, mon loulou. Marrant, j'aurais juré qu'il avait vu quelque chose. Ou senti quelque chose. Bon, on va appeler la chouette, on va bien voir. Ok. On peut pas accélérer un petit peu. Bon, ils sont extrêmement loin. Ils sont extrêmement loin en fait. Bah oui, ils sont même hors map. Je peux pas te monter. Putain, c'est dommage. Hop.
pas de croco. Bon. Loulou. Ah bah excuse-toi. On y va. Du bois. Des hommes. Quoi? Non, ils attaquent des Winja. Je crois que j'ai envie de dire Win. Qu'est-ce que... Pourquoi il s'attaque à nous, lui? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh la vache! Ah la vache! Saloperie! Pourquoi ils nous attaquent d'aussi loin? Vous avez vu comment ils nous a rushé dessus? Est-ce que le loup serait passé par là? Je sais pas. C'était violent. Bon, c'est pas grave. On reprend. Pourquoi il a cru qu'on était une menace? Habituellement ils le font pas ça. C'est drôle, c'est pas habituel. On a bien vu plusieurs sangliers nous menacer, mais pas nous attaquer. C'est vraiment étrange. Mais ils sont juste là en fait. Ah, il y en a tout le long du chemin en fait, il y avait un chemin à suivre. Voilà pourquoi j'ai pas... Oh merde, on a un mort. Boum. Bouf. Faut que je retrouve les cadavres par contre. Merde, je le vois plus. Là, il y a quelque chose. Bon, c'est pas grave. Hop. C'est pas la forme, mon pote. Hein. Tiens, vas-y, bouffe. Bon, c'est pas grave. Là, il est là. Hop. Du bois dur. On est full partout sauf en appât. Ce qui en soi n'est pas un problème. Et c'est vrai, faut qu'on n'oublie pas, on a des couteaux de lancer qui sont arrivés de nulle part. Je pense que ça vient de la version du jeu que m'a acheté Games Planet. Enfin, que m'a offert Games Planet. On va dire ça comme ça. Oh, je l'ai raté. Touché. Excuse-moi, je crois que je t'ai tapé dedans. Couteau. Hop. Donc j'ai plus qu'un couteau cependant. On va manger un coup, on a perdu une barre de vie. Non. Je peux pas fouiller. Bon. Ah, faut que je passe absolument par la liane, c'est ça? Putain. Hop. Putain, il prend nos alliés à revers, eh. Hop. Que t'as. Putain, non, encore l'ours. Bah t'es drôle toi. Marche pas.
Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Vas-y. Putain, mais c'est un malade, cet ours. Mais non, mais... Mais cesse. Hop. Il s'attaque à tout et n'importe quoi, ce tour. Il est noir. Je peux apprivoiser cette bête. C'est quoi ça? Ami fidèle, Dolrar apprivoisé, d'accord. Ami des bêtes, pardon. Hop, c'est ici. Ok, force 2, discrétion 3. Ah, ils ont découvert des ressources proches et vous les donnent quand vous êtes inactif. Résistant au feu. Dépêche les carcasses à récupérer les ressources près de, pour vous après une mise à mort. Oh, intéressant. Je te prends. Ah merde, non, je l'ai renvoyé. Hop, viens, viens me voir. On a du bol, on trouve une bestiole rare comme ça. Hop, viens voir papa. Viens voir papa. Oh. Oh les grosses oreilles. Oh les grosses oreilles. Allez, on y va. On a des gens à sauver, bordel à queue. Ok. Wow. Non, non, putain. Dommage. Waouh, waouh. Putain, mais s'il m'avait pas attaqué comme ça aussi. Vas-y, bouffe-lui la jugulaire. Bien. Bien, bon chien. Bon chien. Pas bon, Dol. Si on peut dire ça comme ça. C'est con, parce que j'ai lâché un appât pour rien du coup. Il va bien se téléporter, non? Ah, c'est presque ça. Ok! Campement ennemi. Discrétion. Appuyez sur T pour distraire les ennemis, d'accord. Accroupissez-vous pour faire moins de bruit et risquez de réduire. Cachez-vous pour la végétation pour sortir du champ de vision de l'ennemi, d'accord. Donc. Déjà. Éteindre le feu. On va faire même, c'est carrément, hop, envoyer la chouette. D'accord. Je peux m'attaquer à n'importe quelle cible. Et lui est seul. Lui est seul. Ce qui nous fait gagner du temps. Je vais essayer un truc aussi. Est-ce que ça marcherait? Non. Qu'est-ce qu'il y a, mon pote? Chose que tu sens pas? T'inquiète, ça va. Ça va, ça va, ça va. Si on peut par contre monter par là. Ah ah. Voyez, on peut y arriver. On peut y arriver. On peut pas monter un peu plus haut? Ok, c'est lui, c'est le mec qu'on a buté. Ça, je cautionne.
Ok. Question. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça peut marcher? Ça marche. Va buter le machin là-bas. Oh oui, monte. Monte, ça me ferait tellement plaisir. Hop les. Rien sur toi? Si. Et avant ça, hop. Et encore avant ça. Hop les. J'aurais dû utiliser le gourdin, j'étais stupide. Sagué. Est-ce que aussi par exemple je peux envoyer... Je vais peut-être pas tout faire, tout lui faire faire. Hop, il en a déjà fait bien assez. Hop. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans? Si, pardon, on va essayer quand même. Est-ce que tu peux le casser ce truc-là? Non. Tiens. Hop. Ah, ils ont des renforts, je crois. Dégage. Je vois pas où est le truc. Là. Ok. Tiens, bouffe. Pas compris pourquoi j'ai été projeté comme ça. D'ailleurs, je suis coincé. Je suis coincé. Ça y est, je m'en sors petit à petit, non? Ok, c'est bon. Ok. Où sont nos ennemis? On peut pas se rendre là-bas. Monte. Mais non, bon c'est pas grave. Eh, j'arrête pas de courir partout, ça commence à être chiant. Bouffe-le. Dégage. D'accord, il y a une espèce de micro dash en fait au moment où on utilise le... Ok, je cautionne. Ok, bon. Wouah. C'était intense, faut reconnaître. Ok, donc on a quelques blessés cependant, hein. Uda Mari. Ul Atiguaifa. Appa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja, Palhu Udamari, Winja Baltasha, Gwaifamas. Et se refait un collier. Ouz, Dawson. Sana Kwaida Shanshi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi, Sami Gardichi Napa. Débile, t'as pas de lame. À part tes petits couteaux de lancer. Et ta lance, mais c'est pas une lame. Il reste des hommes pour une seule femme. Ah non, deux femmes. Va falloir y aller là, les mecs, hein. Ah non, trois femmes. Trois femmes, trois hommes. Ah bah on va pouvoir y aller. Udam, la rage d'Oul.
Le combat pour Horos commence. Bon. Ah, on a gagné un point de compétence. Tiens donc. Deux points de compétence. Tiens donc. Ok, on va se prendre une barre de vie supplémentaire. Ça va pas être... Les Wenja disparu. Appuyez sur le menu des Wenja. Les Wenja compétences sont aperçues pour la dernière fois dans les régions marquées. D'accord. Parcourez Horos à la recherche de ses habiles Wenja. Et ramenez-les dans votre village. Dans votre nouveau village. D'accord. Mais ça veut dire que l'autre aussi il s'est barré? Non. Jaima, la chasseresse. Ramenez Jaima, la chasseresse, à votre village. Elle vous apprendra à améliorer votre vision de chasseur et elle vous parlera des chasses de maîtres de bêtes. Récompense, d'accord, il y a des trucs. Ok. Il y a du boulot. Autrement dit, il y a beaucoup de boulot. Va falloir brûler les corps. On veut pas être malade. Faudra brûler les corps. Rien d'amélioré dans le coin, de toute façon on n'est pas assez nombreux. On pourrait se reposer, mais c'était pas le moment. Est-ce qu'on a d'autres choses ici? Oui, oui. Hop, je prends un couteau. Parfait. Ok. On va aller voir notre ami là-bas parce qu'apparemment il a quelque chose à nous dire. Hop. J'arrive jamais à grimper sur ce caillou, c'est chiant. En même temps, il y a un petit pont là. Je prendrai le petit pont, je m'emmerderai moins. Ah, je suis pas encore coincé. Eh, dis donc, eh. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Interagir, d'accord. Ouvrir, bonjour. Ah, voir petit. Pourquoi? Tishai. Gasori. Ah bon? Ah! Je l'ai pas vu venir! Moi, cette blague. Oh! C'est des glaçons. Tant qu'il me regarde pas dans les yeux. Par contre, d'ici là que tu commences à boire des yeux, c'est pas bon signe. Oh là 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 là. J'ai la tête qui tourne. Tiens, c'est marrant, je crois que je t'ai vu plus à... Mais vous êtes combien en fait? Devenez le plus grand guerrier Ouija, gagnez de l'XP, j'ai pas eu le temps de lire la suite. Vision de glace, d'accord. Trouvez la statue de la femme pierre. Étrange. Le froid terrasse les Oudam. Effectivement. Effectivement, quand on porte des boyaux et qu'on devrait porter plus de peau de bête, mais qu'on reste torse-poil... Et les filles, vous porteriez plus de fringues. Les mecs aussi, d'ailleurs. Pas touché. Pas touché. Pas touché, j'ai pas compris pourquoi il dit pas touché. J'ai l'impression que ça lui fait peur en fait. Oh, j'ai 6 points de vie. Et j'ai de la magie de neige dans la main gauche apparemment. Ok. Oula, là je peux sprinter, je peux taper et j'ai un dash. Ok, donc il y a de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce que... Ok. J'ai autant d'armes que je veux à distance. Ce qui est assez pratique. Ok. Et à chaque fois que je passe, ça s'arrête. Question, ça marche aussi. Ok. C'est assez étrange, hein.
Ok. Commence à être nombreux là. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un joli casque, dis donc. J'en veux un tout pareil. Oh là, ils ont. Alors, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est encore. Je sais pas. Oh là, bombe nucléaire. Femme de pierre n'entend pas leur prière. D'accord, ok. Elle leur échappe sans cesse. Suivez la statue de la femme pierre. Hop. Ils ont beau essayer, ils font tout ce qu'elles veulent, mais en fait elles finissent toujours par s'enfuir, c'est ça? Wow. Et je l'ai vu qu'au dernier moment, je l'avoue. Ok. Elle se barre. On la rattrape. Aïe, oui je l'ai pas vu en fait, je suis trop con. Ok. Ça y est, je suis dessus. Hop. Eh ben non, je suis caché. Ah la vache, elle le pète mon truc. Ok, je la rattrape avant. C'est bon. Oh, c'est glauque. Ok, elle s'enfuit de nouveau. Ok. Pour connaître, ils font mal. Hein. Est-ce qu'elle m'envoie toujours ces saloperies ou pas? Bonjour. Et vous allez crever. Putain, il veut pas lui. Non, c'est bon, elle veut bien que je touche. Non. Oh là, raté. Ça y est, il est mort. Oh là, ça fait une baisse de framerate. Ah, est-ce qu'il devait mourir? Telle est la question. Meurs, mon dieu, mais meurs, mon dieu. Chaque fois que j'en tue un, ça en chie en fait. J'espère que c'est pas bugué. La femme perd ne pas aller plus loin. Maintenez et appuyez pour détruire avec votre arme gelée. Hop, tiens, headshot. Pourquoi on meurt toujours? Mais non, c'est pas mourir toujours. Techniquement. Alors, c'est très bizarre. Autant l'autre était magique, celui-là était. Extrêmement bizarre. Franchement. Oh la bonne tête. Ouais, alors vivant, mais. Nauséeux. Comment t'as. Mais. Galaita. Udamba.
hocam. Suraj. Suraj. Yagi susarda. Suarga. Marmani. Makwadi. Uram shashkwani. Il est au courant? Udam. Masup ne apacham. D'accord, extrêmement bizarre. Extrêmement bizarre. Et donc il en avait laissé un sur le côté à l'extérieur. Interagir. Interagir, pardon. Chaque fois je me trompe. Je sais jamais le dire ce mot. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord, ok, c'est une... Ok, pourquoi pas. Bombe à piquant. Oui, effectivement, on peut les faire. On va les faire donc. Pierre de sud et pierre de caillou du sud. Poudre de caillou du sud, d'accord. Donc là, si on voulait, on pourrait même faire le gourdin rang 2. Et aussi, donc, forcément, l'arc rang 2. Ok, pourquoi pas. Ubisoft Club. Bah écoutez, tant mieux, merci. On abandonne, on abandonne. Non. Takari, Suna. Mishayu aluti fadat. Bal pafetal urusu. Quai qua shraba. Shayu nawa sadada. Saif. Ah, ça doit être le espèce de DLC de précommande, ça. Ceci explique cela. D'accord. Nai. Tiye bal bal. Mi pafital daf. Quai bal bal. Toursa pashmas. Tishayu sakwa takar. Ma. Ais pafita. Nata salwai. Makam. Haha. Donc c'est pas pour tout de suite. Il va le faire ou je peux le choisir ou pas? Takar. Ah, j'ai pas eu le choix. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je suis un mammouth. Donc c'était bel et bien le DLC. Bon, j'aurais préféré ne pas le faire, à vrai dire. Pas tout de suite en tout cas. Alors, écran noir, duel bestial, ok. Sprint. Je peux sprinter. Oui, d'accord. Oui, tout se passe en fait. Qu'est-ce que c'était que ça? Esprit du rhinocéros. Quoi? Dégage! D'accord, bon. D'accord, il est là en fait. Tant pis, je cours. De 1. Aïe. Wow. Le cri de ralliement me permet de me soigner. Qu'est-ce que je suis censé faire? D'accord, fallait surtout pas tomber dans l'eau. Ça je comprends. Salle à améliorer vos compétences de cueilleur dans le menu compétences. Construisez sa hutte pour apprendre de nouvelles recettes dans le menu nourriture. Oui, bien sûr, ça j'avais compris. Alors, ok, on reprend là, pourquoi pas.
D'accord, en fait faut attaquer au timing. Waouh, bien joué. Ah la vache, non même pas, c'est même pas une question de timing. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché tout à l'heure et pas sur ces coups-là? Est-ce que c'était le fait que j'étais en mouvement, que j'étais en train de charger? Je sais pas. Mais c'est compliqué. Est-ce que je l'ai eu? Quel pilotage du mammouth, c'est pas mon genre. Oh la vache, il me one shot ou presque hein. Qu'est-ce que je fais mal? Qu'est-ce que je fais mal? Est-ce que ce serait tout simplement ça? Aïe! Donc esquiver la saloperie qui est au sol. Aïe! Aïe! Putain, je suis en train de sprinter, merde! Oh! Je les avais presque tous butés! C'est incroyable! Je peux pas sprinter et utiliser le coup pour régène. C'est incroyable! Ok, je vais crever. Hop. Voilà. Comment c'est possible? Comment c'est possible, chers amis? Alors là, je comprends pas. Je ne comprends pas. Deux. Et deux, trois. Où est-ce qu'est l'autre? Et deux, quatre. D'accord, j'ai réussi à passer. Voilà autre chose. Fallait juste bourrer en fait. Incroyable. Désolé les oiseaux. Bon, la suite. Enfin bon, c'est un peu facile ça, d'accord, ok, il va y avoir une avalanche. Ok. Ok. Oh. Voilà. Donc faut pas s'arrêter de sprinter parce que quand tu sprintes, dès qu'ils t'arrêtent, tu les tues. C'est compliqué, hein. C'est franchement compliqué, chers amis, hein.
Ou alors c'est qu'il y a une... Il y a un coup chargé en fait, ça se trouve. Je ne sais pas. Ok, où est-ce qu'il est le dernier ? Je suis. En plus, tu vois pas vraiment ce que tu tapes, hein. C'est catastrophique. Pourquoi pas ? Hop, je sais qu'il y en a qui vont apparaître. Alors pourquoi c'est eux qui m'ont fait plus de dégâts ? Ça, je n'en sais rien. Hop, c'est fini. Voilà. Pourtant, j'ai bourré cette fois-ci. Je comprends pas. Je comprends absolument pas, chers amis. C'est d'une violence. J'ai vraiment l'impression d'être impuissant, en fait. C'est véritablement ça. Donc on va charger. On va essayer de la touche F pour attaquer plutôt que le clic. Peut-être qu'il y aura quelque chose de différent. D'accord, il y a eu juste la charge, en fait. Ouf. Me dis pas qu'il fallait juste leur sprinter dans le nez. Apparemment si. Fallait juste leur sprinter dans le nez. Je me pose de ces questions des fois, chers amis, franchement. Hop les. Ok. Par contre, c'est chaud le sprint. Hein. Ok. On va se soigner d'abord un petit peu, hein. Parce que je crois que ça soigne ça. Ok. C'est extrêmement étrange et franchement c'est pas aussi fun à jouer que ce que vous pouvez imaginer, chers amis. Je vais y arriver. Je vais arriver à dire ma phrase, merci. Donc là, même scène de combat, sauf qu'en plus il y a des geysers. Tuer tous les rhinos de la zone, mais il n'y en a pas d'apparu. Si, ça y en a. Hop là. Ok. Là il y en a un autre. Hop. Dégage. Dégage. Aïe. On peut essayer de ne pas crever, ce serait cool. Ok. Est-ce qu'on
peut essayer de ne pas crever. Non, c'est bon. On meurt. Même en essayant en fait d'être en face de l'ennemi, c'est chaud. Je peux vous dire que c'est chaud. C'est comme vouloir absolument foncer en camion dans des motos. Je sais pas si vous voyez le truc. Hop. C'est plus agile, c'est plus rapide. C'est un potentiel d'accélération supérieur au vôtre. Aïe. Ok, est-ce que je l'ai eu? Je l'ai eu. Ok. En fait, on se bat plus avec la touche sprint qu'avec les attaques en elles-mêmes. Croyez-moi, on se bat plus avec la touche sprint qu'avec les attaques en elles-mêmes. Oh! Écoutez! Ça va, c'est pas trop dur? Crac! Hop, je crois que je l'ai eu. Ouh. Ok. Un vilain rhino qui est mort. Mais c'était vraiment pas drôle, hein. Franchement. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas assez de compétences en tant qu'humain dans le jeu. Et que du coup, voilà. Mais étrange, vraiment étrange. Duel bestial terminé, bah écoute, j'espère que ça m'aura rapporté quelque chose. 1000 points d'XP, c'est tout. Et un point de compétence. Ok, bon. Confection, on peut crafter quelque chose apparemment. Hop, voilà. Compétence. Des points pour des choses. Ouais, pour l'instant on va pas toucher à ça. On va garder les points pour tout ça. Ok. Ok, ok. Ah, apparemment Saïla a envie de nous parler. Ou a besoin de nous parler, je ne sais pas trop encore. Hop. Ok, ok. Pourquoi pas après tout, hein, pourquoi pas. Mais ouais, franchement c'était pas aussi jouissif à jouer. J'espère que ça s'est bien rendu à l'écran. Mais même à l'écran, je trouvais que ça ne rendait pas plus que ça. Là, ça, c'est la grotte à laquelle je n'ai pas accès. Enfin, il n'y a rien d'intéressant dedans pour moi. Je prends les peaux de chèvre, merci. Ça peut toujours être utile. Je vais vite fait aller voir à la planque s'ils ont rajouté des choses. S'il y a eu quelque chose de rajouté ou pas. Rien du tout, j'ai l'impression. Non! Ok. Eh bien, écoutez, les amis, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, de faire trop lien dans la barre de la chaîne. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, hein, bien sûr. Et à partager les vidéos. Ce sont deux excellents moyens de me faire connaître, les amis. Et je vous en remercie. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Et à plus pour d'autres aventures dans Far Cry Primal et sur les autres séries de la chaîne. Salut les gens! Et yop! Et yop!